So are you ready? Come on! Salut à toutes, salut à tous, c'est Lund. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Far Cry 3. Donc il me semble que c'est le 17ème, je ne suis pas sûr mais on verra bien. Et on repart tout de suite pour l'aventure. Donc nous revoilà. Ah, on a déjà un appel. Jason, je dois te prévenir. Vass est un grand guerrier. Mais Hoyt est un vrai démon. De nombreux Lagiat ont tenté d'attaquer son île. Aucun n'est revenu. Un à la fois, Dennis. D'abord Vass, ensuite Hoyt. Tu racontes n'importe quoi. Même moi, j'en serais incapable. Tu sais ce qu'on dit, Dennis. Il faut une première fois pour tout. Donc voilà. Plus facile à dire qu'à faire. Le docteur m'a dit que ton bateau était presque prêt. Tu partiras bientôt. Je trouve que ça fait une belle introduction pour ce qui nous attend. Donc on va devoir aller voir Citra maintenant. Parce que bah, vous vous souvenez de la dernière fois, un épisode plein d'action. Et là, on va continuer dans cette même dynamique. Allez, c'est parti. Citra se trouve super loin normalement. Nous, on est où déjà? Nous, on est là. Et Citra se trouve ici. Donc, on va se téléporter tout de suite. C'est parti. Top. Voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir Citra, voir ce qu'elle nous raconte. Parce qu'on va quand même vouloir tuer son frère, hein, après tout. Donc, faudrait déjà voir ce qu'elle en pense. Pire, dans tous les cas, de toute façon, on va le tuer, mais... Reste à voir ce qu'elle va nous dire. Allez, je passe. Allez, c'est parti. On va dire bonjour à Citra, qui est là où on l'avait laissé la dernière fois. Ah non, plus loin. Je connais pas le temple, donc je sais pas par où il faut passer, par là. Allez, bonjour Citra. Laissez-nous. Le guerrier revient du royaume des morts. Je vous ai rapporté un souvenir. C'est le moment. Bois. C'est un poison pour les faibles. Seuls les plus forts peuvent y survivre. Suis la voie. C'est vraiment un jeu de toxico. Et d'alcoolique. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre? Oula. Pourquoi il y a du pétrole qui se balade là? Il veut pas monter. Allez, monte. Oula. Ok. Oula. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc de fou? Ah ouais! Ah, c'est comme ça. Oula, il y a un peu de flamme par ici. Putain, un peu de tronche, toi. Allez, crève, foiré. Hop là, esquive. Tiens, prends-en dans ta tronche. Il y a du vent, hein. Ouh. C'est quoi ce bordel? Heureusement qu'il y a une mini-carte, hein. Allez. Non, merde.
Il est trop près lui. Oula, lui aussi. Voilà. Ah merde. Ah non, c'est F. Voilà. Hop, tiens. Aïe 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 aïe. Ça va pas. Hop, je me soigne. Oh, c'est dégueulasse. Ouh, ça, ça fait plaisir. Petit coup de couteau là. Et toi là-haut, on en a pas fini. Ok, il envoie des boules d'énergie et tout. Ouh, il déconne pas. Tiens, dans ta tronche. Battez le monstre d'encre. Ok, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'ils ont pris chez Ubisoft quand ils ont fait ce jeu. Mais ils étaient franchement sous substance illicite. Hein. Attention, hop, 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 esquive. Hop, esquive. Ouh, dans ta tronche. Dans ta tronche. Dans ta tronche. Alors, j'essaye d'anticiper. Mais ça va pas. Allez, allez. Attends, je vais le bourriner, j'ai les flèches à l'infini. Aïe, 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 je suis tombé. Allez, meurs. Putain, il est invincible ce type. Ah, en fait, on peut... On peut casser les boules. D'accord. Il fallait le dire, ça. Par contre, il faudrait peut-être que j'apprenne à viser. Oula, j'ai pas vu la dernière. Allez, prends ça dans ta tronche, toi. Saloperie. Aïe, 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 aïe. Du coup, je me fais enchaîner. Mais c'est pas un souci. Voilà. Ça, c'est fait. Non ? Il est pas mort ? Dans ta tronche, casse-toi. J'avais lâché la souris en plus, enfin, le clavier. Et il trancha la tête d'un geste net et précis. Le crâne du géant tomba dans l'étang et devint notre île. Les descendants du guerrier devinrent à 4 notes. Ok, elle nous répète ce qu'elle avait dit la dernière fois. Et là, genre normal. On est dessus. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Allez, allez, allez. Bon, manu l'œil. Ça fait plaisir. Waouh. Et là, c'est un peu pornographique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Dis-moi qui je suis. Qu'est-ce qu'elle foutait à moitié à poil sur nous là? Bon, nous, ça va, on était habillés, mais. Mmh. Ok, d'accord. Tu es un guerrier. Tu vis pour te battre. Chaque homme que tu affrontes succombe et mérite le triste sort que tu lui infliges. T'es un peu une chaudasse, toi, non ? Tu portes le tatouage. Tu sens la jungle autour de toi. Tu es un rakat. Moi, je fais bien, ouais, mais... Et eux, c'est des voyeurs, en fait. Face et ses pirates réduisent en esclavage les corps et les âmes des Rakiats. Nos armes ne se tairont pas tant que Vas commettra ses crimes. Nous sommes les guerriers Rakiats et je vous guiderai vers la gloire. Hey, il est chaud là, Jason. Avec un petit discours et tout là. La classe. Revanche. Et donc, on pop comme ça nulle part. Aller sur l'île de Vas. Tu viens te chercher, Vas. Ok. D'accord. C'est comme ça. Attendez, je regarde la carte parce que. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est l'île de Vas, le petit morceau ici. Donc, on va bientôt le tuer. Hop.
Voilà, hop, dans sa tête. Ça fait du bien. Et donc j'ai pas lu. Normalement, ouais, on a débloqué le nouvel. Enfin, le dernier arbre de compétences, mais on n'a pas de points là. Si, on en a deux, nickel. Alors ici, hop, une barre de vie en plus. Et ici, une barre de vie en plus. Comme ça, on a toutes les barres de vie. Et ça, ça fait plaisir. Parce que du coup, ça veut dire que je vais pouvoir me prendre pas mal de coups avant de succomber. Allez, c'est parti. On va remonter à la surface et on va nager. Normalement, il n'y a pas d'ennemis vu que je l'ai snipé. Celui qui nous, enfin, qui aurait pu nous embêter. Donc ça devrait aller. J'en ai pas vu d'autres de toute façon. Allez, là. Hop, tu montes. Voilà. Ouh, il y avait tous des corps ici. C'est un peu dégueulasse. Donc voilà, on récupère des munitions. Ici ça s'ouvre pas, non? Bon allez. On va entrer dans le complexe. Ah, c'était... C'était pas l'île. C'était pas l'île dans laquelle on était au tout début. Allez. Mais pars pas par là. Mais t'es conne. Tu pars vers le camp ennemi. Clé de quelqu'un. Elle est débile la meuf. Elle pourrait repartir vers l'eau mais non. Elle repart vers le camp. Alors là normalement il y a un chien qui va arriver bientôt. Non? Oui, non? Je sais pas. Alors on va toujours quand même marquer lui. Je vois pas de chien. Ah si, le chien il est là, ok. À la limite, je peux pourrir le chien. Voilà. Parce que ça, ça fait plaisir. Voilà, hop! Dans la tête. Comme ça, il a pas eu le temps de me voir clairement. Et là normalement il y a, voilà, un autre chien, mais je l'ai eu. Alors faut pas y aller trop trop bourrin quand même, parce que il y a quand même des ennemis, hein. Hop, dans la tête. Et là on en a un. Il s'est barré là-bas. Il est parti loin. Je l'ai raté. Tant pis, c'est pas grave. Il y a un sniper normalement dans le coin, mais... Ah, ça y est, ils m'ont découvert. Dans ta tête. Ah, ça y est, j'ai eu mon niveau. Ah, il est là-haut. Voilà, je l'ai eu. Là, normalement, je peux avancer un petit peu. Genre ici. Ici, là, je suis bien. Je vais mettre mon point de compétence immédiatement. Histoire d'être tranquille. Alors, ça, ça fait quoi? Non. Effet de seringue, on s'en fout. Tireur extrême. Ça, c'est quoi? Voler le pistolet d'une cible et utiliser-le. Non. J'ai mes armes, ça suffit. Et ça c'est quoi? Appuyer sur F pour tuer un artilleur lourd ou un lance-feu. Ça c'est cool. Parce que les artilleurs lourds sont plutôt costauds. Voilà. Au moins je pourrais les tuer de manière discrète comme les autres. Alors que c'était pas possible. Ouais, c'est clairement, c'est le même camp qu'au tout début. Si vous vous souvenez, au tout début on était passé aussi sous des trucs comme ça. Alors, c'est un peu le bordel là. Il y a de la musique un peu chelou. Je sais pas ce que c'est. Ok, il n'y a rien par ici. Ils font une petite fête en fait chez Vas. C'est sympa ça. Allez hop, on monte. Oh. J'ai pas le droit à mes armes.
D'accord. Regardez. Il y a une jolie demoiselle. Miam, miam, miam. Ok, bon bah, on va rentrer hein, parce que nous aussi on veut profiter de ces avantages. Alors là, hop, je vais prendre une arme un peu plus discrète. Ok, je peux pas changer d'arme, parfait. Pourquoi je peux pas changer d'arme? Attendez, attendez, ça va pas ça. Ok, je suis obligé de l'avoir avec cette arme en plus. Regardez, il y a de la drogue dans l'air. Ok. Surprise, petit enfoiré. Ouh. Vous croyez que je savais pas que tu venais, hein? Quelle putain de déception! Tu étais ah. Si prometteur, Peter. Merde. Tellement prometteur. Maintenant, ok, super. Il y a le feu partout! Au cas où. Ok, je peux pas le tuer. Il est invincible, c'est parfait. C'est pas grave. Ici on peut monter. Ok, 10 000 dollars. Votre premier fils de pute qui me ramène, j'ai une fois dit par les couilles. Allez, tiens, hop, une petite grenade, ça fait plaisir. Moi je m'abaisse où là? Non. Ça va pas cette histoire, ça va pas cette histoire. Ça part en couille. Allez. Putain, j'ai plus de soins. J'ai plus de soins. Ça va super mal. Honnêtement. J'ai mal préparé ma mission. Ok, là-haut. Parfait. Parfait, d'accord. C'est pas un bidon ça. Alors le souci c'est que là derrière il y a des. Il y a des gens pas cool. Genre lui là. Putain, je l'ai raté. J'ai plus de grenades. Alors on va leur balancer un cocktail Molotov. En espérant qu'ils touchent. Non, je touche pas. Allez, lui je l'ai eu. Il en reste un. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est franchement un bon coup là, ce que je viens de faire. Genre, je peux pas l'avoir. Oula. Oula, 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 oula. Les gars, faites attention avec ça. Non, casse-toi. Franchement, je suis trop mal. Je suis trop mal. Voilà. Heureusement que j'ai débloqué les premiers soins. Sinon, j'aurais jamais pu me soigner sans soins, tout simplement. Alors lui, il me fait chier à me poursuivre, là. Normalement, il doit mourir, mais voilà, c'est bon. Alors, j'ai passé par le haut. Par ici. Il doit y avoir des trucs. Ça c'est de la thune, on s'en fout. Là il y a des soins. Hop. Ça c'est cool. Des munitions. Bon, on va pas cracher dessus. Et maintenant on va se la jouer discret. Alors. Genre comme ça. Merde, il est pas mort. Voilà. Et d'un. Et deux. Et on a un. Voilà. Je leur fais que des têtes, ça fait plaisir. Voilà. Et on a encore là-haut. Ok, là il y a une caisse, on s'en fout. Moi ce que je voudrais c'est plus des soins. Mais... on va quand même récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Là il y a des soins. Là c'est cool ça.
Hop, des grenades. Parfait. Bon, allez. On va continuer de progresser. Ici. Hop. Alors là, il y a Vas qui est un peu dégoûté. Semble-t-il. On va grimper ici. Aïe aïe aïe. Voilà. Allez, sors petit tigre. Allez. Allez, prends ça. Voilà. Je l'ai eu. Et voilà, parfait. Bon, en fait, il aurait fallu que je me serve du bidon ici pour le... pour vraiment le tuer, honnêtement, on va dire lui. Mais bon, là, au couteau, c'est encore plus classe. Voilà. Ça permet de récupérer une grenade. Merde. Bon, ça va, j'ai pas changé d'arme. Je vais essayer quand même de... garder plein de munitions, c'est bon. Ici, hop. Allez, on va chercher Vas. Vas ! Où es-tu ? Par là. Allez, viens m'affronter ! Surprise, enculé. Aïe. Ça, ça pique. Je viens de me faire poignarder. Boum. Et à chaque fois, il nous prend... Enfin, il nous surprend d'une manière totalement débile, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... fallait s'en douter qu'il était caché à un endroit comme ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est bizarre comme truc. Qui es-tu, Jason? Quel genre d'homme es-tu? Putain, je suis sexy quand même. Ouais, allez. Vous êtes en train de chavirer. C'est moi qui fais contrepoids. Ça le fait moins quand c'est Vas, hein. Le truc, c'est que là-haut, tu pensais que t'étais le roi du monde. Et maintenant, Hermano. Tu es fort. Puissant. Et là, il y a Vas. Alors, dis-moi, t'es bien avec ma soeur? Hein? Elle veut faire de toi un guerrier, non? Oh, désolé si on entend mal. Donc là, je tire. On n'est pas obligé. Mais un ami qui m'avait spoilé. Hop là, hop. Un ami qui m'avait spoilé m'avait dit que lui, il n'avait pas tiré. Donc, au moins, ça permettra pour lui de savoir ce qui se passe. Enfin, quand on tire pas. Allez, vite, recharge. Voilà. C'est chaud, quand même. Tu vas mourir, oui ? Allez, vite, recharge. Allez, allez, allez. Vite, soigne-toi. Le souci, c'est que j'ai pas assez... de munitions. Voilà, c'est bon. Acceptons-moi. Allez, allez, allez. Acceptons-moi, cloue-toi cette foutue croix et efface-toi. Ouh, joli le petit coup de couteau là. Oh, comment il se fait plaisir. En même temps, il a perdu ses deux frères à cause de Vas, donc. J'ai gagné. Wow. Wow. Pris pour acquis. Ok. Donc on a tué Vas.
C'est quand même assez bizarre. Mais au moins, on l'aura tué. Alors, have you guessed the riddle yet? The hatter said. Alors, avez-vous deviné l'énigme? Dit le chapelier, se tournant de nouveau vers Alice. Non, j'y renonce, répondit Alice. Quelle est la réponse? Je n'ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Ok, bon, pourquoi pas. En tout cas, Vass est mort. Ça, c'est fait. Ah non. Si, non. Si, si. C'est bon, c'est fait. Bien battu, Gael. Lève-toi et savoure ta victoire. Elle te transformera en guerrier, Jason. Pourquoi on entend la voix de Vass? On s'est fait baiser, Jason. Vass est mort. En tout cas, ce jeu me surprendra toujours. C'est franchement une... un des meilleurs jeux de l'année 2012. Alors qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Elle nous a oublié. La tribu, sa propre sœur, tout. Il a été perverti par Hoyt Volker avec l'argent. La drogue. Ça en a fait un monstre, mais c'était toujours mon frère. Hoyt paiera pour ce qu'il a fait. À toi. Et à mes frères. Je te rapporterai sa tête. Et tes amis? Ils vont rentrer chez eux. Moi, je reste avec toi. Ouh. C'est con, je peux. Je me réjouis de l'entendre. Comment vas-tu tuer Hoyt? J'ai rencontré un espion, Willis, qui peut m'infiltrer sur l'île de Hoyt. C'est astucieux. Tu vas beaucoup manquer au Rakyat. Je préfère quand même la vraie copine de Jason plutôt que Citra. Donc là, on va enfin pouvoir aller sur la nouvelle île. Reviens vite. Pour mon peuple et... pour moi. Chaudasse. Donc voilà. Trouver Vass, tuer le, ça c'est fait. Quitter le temple de Citra. Bon. On va quitter et on va voir ce qu'il nous propose ensuite comme quête pour savoir si on continue la vidéo toute. Enfin, si on continue encore un peu la vidéo ou si on se quitte tout de suite. On va voir. Alors là, normalement, d'après la carte, il y a un truc. Voilà. Et ici. Hop, on descend, on se dépêche, par là, hop, et on va donc quitter le temple, putain il est long, c'est une, enfin il y a beaucoup de routes, allez, 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 ah, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, il est saoul. Jason. Tu nous quittes déjà? Dennis. Tu pars en mission pour Citra? Nous ne sommes pas si... différents l'un de l'autre, toi et moi. Est-ce que tu sais que... j'ai déjà vécu aux États-Unis? Je travaillais comme mécanicien dans un garage. On se moquait souvent de mon accent. Et le patron, il me donnait un plus petit salaire qu'aux autres mécanos qui étaient moins compétents. Moi... moi qui ai grandi parmi l'élite du Libéria. On me traitait comme un sous-homme. Mais je sais qui je suis. Regarde-moi maintenant. Citra.
J'ai été libéré par elle. Elle est avec moi. Eh bien. Je te souhaite de faire fortune. Enfin, d'accomplir ta mission. Il est vraiment... La bouteille est terminée. J'en voudrais une autre, vite. Eh bien, alcoolisé, il fait vraiment peine à voir Denis. Donc ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir parler à vos amis rescapés. Bah écoutez, on fera ça dans le prochain épisode, je pense, histoire que on quitte sur une belle histoire sur la mort de Vass. Et je vais juste prendre ça, hop. Et puis comme ça, on va partir sur l'autre île dans le prochain épisode, histoire de pas mélanger, on va dire, les missions, de pas commencer un truc sans le finir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vert, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo pour les 2 ans de ma chaîne, enfin la préparation des 2 ans de ma chaîne. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Je vous mettrai un lien dans la description. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye bye.